en fait, parce que, en fait je voulais vous remercier à vous toutes d'être ce que vous êtes. Du coup, en fait, je voulais vous dire que j'étais trop heureuse déjà d'être dans l'église du Seigneur, d'être là, je reviens, et de vous avoir toutes comme sœurs. Vous êtes toutes exceptionnelles, vous avez toutes... chacune vous a apporté quelque chose dans l'église et à tout le monde. Et du coup, vraiment, j'étais... En fait, je ne peux pas expliquer à quel point je suis heureuse de vous avoir comme sœur, de vous avoir rencontré, de partager, d'avoir partagé cette journée avec vous, d'avoir loué le Seigneur avec vous, et de voir en fait la sincérité que vous avez. Enfin, c'est vraiment une grâce d'avoir des sœurs aussi sincères. C'est vraiment une grâce d'avoir aussi, des sœurs aussi sincères et dans l'amour du Seigneur Jésus et le véritable amour. En fait, je suis vraiment trop contente de cette journée, le fait qu'on est loué ensemble, on a appris à faire à manger. Enfin, pour ma part, j'ai appris. Le chef, à manger. Et vraiment, je suis trop contente aussi de vous avoir rencontré, maman Bérénice, et toi aussi, maman Alain Miguel, même si je sais pas que j'ai t'appelé ma soeur. Vraiment, je suis trop contente, même tout le monde, même toutes les soeurs, tout le monde, toute l'église, je suis vraiment trop trop contente, et j'espère qu'on aura encore plein d'autres moments à partager. Et vraiment, je suis vraiment trop heureuse d'avoir des soeurs avec qui partager, avec qui marcher dans la foi, en esprit, en vérité, avec qui faire des prières, lire la Bible. Trop bien. En fait, c'est vraiment une grâce incroyable. Du coup, je voulais vraiment trop vous remercier, vous dire à quel point j'étais trop heureuse de cette journée et que j'espère qu'on en aura plein d'autres. Et je vous aime fort, fort, fort. Amen. L'apôtre Paul, shalom, shalom, shalom. L'apôtre, je te dis merci, merci, encore merci Seigneur Jésus de t'avoir placé ici à Paris. Nous te dirons merci vraiment. Je te dis merci de m'avoir confié des brebis du Seigneur aujourd'hui. Et ils m'ont gâté. Et ils ont fait une cuisine formidable. Là où je mange, je n'ai même pas le tiep rouge, le tiep blanc. C'était top, top, top. C'était avec des pastels. Aujourd'hui, c'est moi. Je suis restée comme ça. On me donnait les plateaux. Mange, mange, mange. Alléluia. Ça est béni. Amen. Celui qui pense que Jésus revient ne danse pas, viens voir.
Et ça a commencé là. Voilà, fête tire à sa fin. Et la servante de Dieu, Enis, elle va faire la prière de la fin. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier, te bénir et te rendre gloire pour ces moments de joie, d'allégresse, d'ambiance que tu nous as permis de partager aujourd'hui. C'était vraiment une merveilleuse journée pour nous tous. Nous avons partagé cette journée à cœur ouvert, Seigneur. Vraiment, merci que ces journées puissent se répéter plusieurs fois, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir amenés sains et saufs. Seigneur, nous te remettons notre retour entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, que ta main soit sur nous, Seigneur, posée sur nous pendant notre trajet de retour, Seigneur. Veille sur nous, que ta lumière soit sur nous, Seigneur. Veille sur nous au nom de Jésus-Christ et que nous puissions arriver chez nous, saine et sauve, avec ta bénédiction sur nous, Seigneur. Que toute personne en ce lieu puisse être bénie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par ta grâce puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yeah!
ils vont montrer la tête. Jésus. Et après la cuisine, c'est ça. Amen. Amen. C'est pour la demande de ma prière.